Toi, tu viens. Toi, tu viens. Tu dis non, pourquoi? Tu veux fuir? Je t'ai arrêté. Comment? Tu as des enfants? Tu n'as pas des enfants? Non. Et tu fais signe à qui? À ma mère. Ta maman, elle est où? Elle est là-bas. Maman, tu es où? Viens, maman. C'est le mari. Viens, mari. Tu vois? Grâce à ton signe là, toute la famille a obtenu grâce. Amen. Ça va, maman? Oui. Il y a des problèmes dans ta vie? Beaucoup. Beaucoup de problèmes? Oui. Mais ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. Jésus est Seigneur. Merci. Du Amen. Ciel et de la terre. Amen. Amen. Pourquoi tu as les tatouages? Ça, c'est le nom de ma mère et mon père. Je sais pas, j'avais envie de le faire. Ah, elle vous aime tellement. C'est mon papa. Oui. Ton père est où? Il est à l'île Maurice. À l'île Maurice? Mm-hmm. Ok. L'agneau est sur Tu as quel âge? Je vais avoir 29 ans cette année. 29 ans cette année. Tu n'as pas d'enfant? Non, pas d'enfant. J'attends le mariage. Tu attends le mariage? C'est bien. Tu as avorté dans ta vie? Oui. Je vois des complications là. Je vois des complications dans tes périodes. Ce que je vois n'est pas bien. Je vois quelque chose qui te complique. Cette chose a profité de cet acte d'avortement que tu avais fait. Un esprit a profité de s'installer là. Tu comprends ce que j'ai dit? Oui. Tu as des douleurs quand tu es dans tes périodes? Là, je suis en train de souffrir. C'est actuellement le moment. Tu voulais partir à cause de la route, parce qu'en fait on a fait la route pour venir ici vraiment du vendredi au dimanche. Même si tu retournes 2h, 3h du matin, l'essentiel que tu sois libre. Tu peux pas faire une longue route comme ça sans trouver la solution. Alléluia. Tu comprends? Moi, pour moi, je vais bien. Maman, tu as été opérée? Oui. Parce que je vois une opération. Mais je vois ce qui trouble ta fille. Ce n'est que le lien qui te trouble et qui trouble ta fille aujourd'hui. Mais qui a troublé aussi ta maman. Tu comprends? Mmh. Voilà. Mais aujourd'hui, le Seigneur des cieux et de la terre vous a vu. Il a vu votre fille. Tu as le mari qui va t'épouser? Oui, j'ai le mari qui va m'épouser. Il est déjà là, hein? Il est là, oui, ça fait 5 ans. Il est où? Il est en Suisse, à la maison. À la maison, hein? Il va regarder les images. Dis-lui quelque chose. Tu regardes là-bas. Attention, laissez la caméra libre. Elle va dire quelque chose à son gentleman. Papa vient. Elle va dire, mais dis-lui quelque chose. Ça va lui faire du bien. Bébé, je t'aime. Oh! Je ne savais pas que c'était un bébé. Un gros bébé. Un gros bébé. Regarde, le Seigneur des cieux et la terre lui prépare. Alléluia. Une bonne femme. Parce que quand vous allez vous marier, il n'y aura plus de complications. J'espère. Tu comprends? Ah, j'espère. Oui. C'est comme ça. Il doit savoir que Dieu a intervenu dans votre relation. Il doit le savoir pour rendre gloire à Dieu. Lève-toi demain. Kira. Father, thank you. L'agneau est sous.
T'inquiète. Thank you. Acclamons le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ses enfants. J'anéantis tout ce qui est trouble. Les troubles que l'ennemi essaye d'amener ici. Je détruis ça. Tout agitement, j'anéantis cela. Au nom de Jésus de Nazareth, je détruis les liens. Ces liens-là ne suivront pas ses enfants. Père, au nom de Jésus-Christ, glorifie ton nom dans la vie de ces enfants. Utilise-les en son temps pour ta gloire. Dieu va utiliser cet enfant dans la parole. Cet enfant, Dieu va l'utiliser. Cet enfant prêchera l'évangile. Amen. C'est un grand homme de Dieu. Amen. Un évangéliste aussi, puissant. Comment tu t'appelles? Yeshua. Yeshua. Oh. 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 My God. My God. Vous voyez ça? Ce nom-là n'est pas vain. C'est un représentant du ciel. Seigneur, je prie pour ces couples. Le mal quitte cette femme. Quitte ces couples. Je bénis ces couples. Je bénis cette famille. Glorifie ton nom dans leur vie. Glorifie ton nom dans la vie. Restaure ce couple. Restaure le Père. Restaure-le spirituellement. Restaure-le financièrement. Restaure-le matériellement. Restaure-le en tous égards. Take it! Maintenant, ce soir. Now! Yes. Thank you. Quelqu'un acclame le Seigneur. Father, in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Sauve-toi de l'enlève-toi. Vous voyez le Seigneur, ce qu'il fait. Sois libéré, in the name of Jesus Christ. Quelqu'un acclame le Seigneur. Libre, complètement. Allez-y glorifier Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. J'attendais ça depuis longtemps. J'étais tellement pris à l'intérieur, tellement de force, de colère, de haine envers une personne que j'aime, une personne à qui je donnerais ma vie, tout. J'étais pris par quelque chose à l'intérieur qui était tellement fort, qui allait contre l'amour que je veux donner, un amour à mes enfants, un amour à ma femme, un amour à ceux qui l'entourent, ce qui fait que, voilà. Aujourd'hui, tu es libéré. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. À très bientôt. À très bien. Je suis très contente parce que moi, je suis une catholique. Depuis que je suis née, je combats beaucoup. J'ai beaucoup de soucis, la jalousie des copines, sans qu'ils m'ont fait nier, sans que je fasse quoi que ce soit. Quand les gens tapent la porte pour moi, 1h, 2h du matin, je suis là. Il y a une fête, je suis là. Mais toujours j'ai attendu quelque chose en retour. Je dis même au moins une signe, mais faire voir quelque chose. Mais aujourd'hui, je l'ai ressenti.
Alléluia. Quand je dis les gens, je regarde, moi j'adore regarder mes films à la télé, boire un petit verre tranquille. Un jour, j'ai une copine qui m'envoie une vidéo. Tu dis, qu'est-ce qu'elle sait, soi-disant, elle s'est trop priée, celle-là. Hein? Il m'envoie une vidéo, monsieur Zipé Makenzou. J'appelle Daisy. Je dis, Daisy, regarde. Il m'a envoyé ces vidéos. Je regardais la première fois, après j'ai coupé. Je regardais la deuxième fois. Après, j'ai demandé à lui, est-ce que tu peux mettre? Il met, c'est pas quoi. J'ai dit, c'est pas grave, je sais pas lire, je sais pas écrire. Mais moi-même que j'ai mis ACCR par ma main à la télé. Alléluia. Oh, merci. Je l'appelle même sœur Teresa. Je peux pas dire s'il y a une âme qui est vraiment bien. C'est elle, parce qu'il faut voir tout ce qu'elle fait à côté et tout. Et moi, je suis libéré maintenant, parce que je ne comprenais pas. Et je crois que maintenant que j'ai vu que le Seigneur m'a parlé, je vais la suivre. Alléluia. Et prendre exemple sur elle. Acclame le Seigneur. Allez-y. Merci, faites merci votre route ensemble. Dieu vous a libéré. Amen. Jésus n'est pas bon. Amen.